Eh bien, salut à toutes et à tous, c'est Paddock, c'est pour ce tout nouvel épisode de notre aventure sur Alice, retour au pays de la folie ou Alice Madness Return, comme vous le souhaitez. Dans le précédent épisode, on avait eu un cœur supplémentaire, on avait enfin eu un cœur supplémentaire, donc ça va être très très intéressant pour la suite, ça va être potentiellement plus facile. Et on venait d'entamer le chapitre 3, et on va peut-être aller, a priori, chercher notre lapin, le fameux lapin blanc. Donc, c'est parti. Ouais. Ok. Bon, ça reste toujours très très, enfin, assez linéaire en soi. Voilà, c'est Monsieur Radcliffe qui est censé l'avoir. Alice Liddell, Monsieur Radcliffe. Ah, enfin. Vous feriez mieux d'entrer. Je vous ouvre. Ok. Bon, de toute façon, il n'y a pas de collectable ici. Voilà, les seules choses qu'il y a, c'est ça. Mais il n'y a vraiment pas de collectable. Où donc les avez-vous laissés? Les auriez-vous abandonnés à l'asile de Rutledge, ma chère? Nous en avons déjà parlé. En colère, comme toujours, prenant les gens de haut et accusant à tout bout de champ. J'aurais volé son lapin. C'est vraiment ridicule. Elle est revenue pour l'incendie. Elle n'a que ses mots à la bouche. Les comptes rendus parlent tous d'une mort accidentelle. Elle n'y croit guère. Rabâchant toujours ses maudits souvenirs, sa quête de vérité. Voilà la vérité. Le chat de la maison a tout simplement renversé une lampe dans la bibliothèque. Les flammes ont piégé ses parents à l'étage. Sa sœur Lizzie n'a même pas tenté de fuir. Elle est morte dans son lit. Le pauvre chat est le seul coupable, mais pas pour Alice. C'est absurde, impossible, etc. La pauvre enfant. Dès le début, j'ai soupçonné la fille d'être pyromane. Elle fait une fixation sur le feu. Mais comment le prouver? Elle insistait pour voir le rapport du légiste. Mon Dieu, quelle horreur! J'ai souvent pensé qu'elle n'était pas tout à fait innocente dans cette tragédie. Elle a souffert de graves épisodes psychotiques. Lui ai-je arraché la tête? Je voulais. Ma pauvre tête va exploser. Est-ce folie de vouloir de meilleures hallucinations? Peut-être mon sort est-il de mourir ici. Tout a disparu, il ne reste que poussière. Et cette odeur de tabac froid, aucun signe du rapport d'autopsie ou de mon lapin. Maudit soit-il. Donc ce serait le chat qui aurait déclenché l'incendie. J'ai l'impression que c'est un peu facile. Ils ont cherché un petit peu à faciliter en disant « Ouais, allez, il y a un chat, c'est le chat qui a fait tomber la bougie. Est-ce que c'est vraiment ce qui s'est passé ?» Je ne pense honnêtement pas. Bon. Quoi, tout ça? Ok, donc on est où là? On est dans le pays des merveilles? Il y a
Le pays des merveilles, c'est son monde. C'est ce monde-là. Je disais avant que ça crache, bon, il était juste là-bas. Est-ce qu'en fait, les deux mondes ne seraient pas le même, en fait? L'un, c'est la vision qu'elle fait du monde, et l'autre, c'est le vrai monde. Et là, justement, elle sait plus qui est quoi. Oui, parce que voilà, je m'en doutais. On est dans le pays des merveilles. Quel épouvantable ravage! Le pays des merveilles est corrompu. Le monde diabolique te fait peur? Cet enfer auquel tu fais face n'est peut-être qu'une illusion. Tu ne mens pas si bien que ça, et je ne suis pas aussi bête. J'aurais cependant préféré quelque chose de moins néfaste. Tout ceci est arrivé par ta faute, Lidl, et ne va sûrement pas s'arranger. Ton train avance à un rythme infernal. Va-t'en, le temps n'attend pas, le changement est en route. Le train à lui seul suffit à me terrifier, le chat. Trouve-toi autre chose à faire. Y a-t-il donc si peu d'espoir? Encore moins que ça. Et si la peur te bloque, nous sommes perdus. Ok. Vallée maudite. Ok, on se concentre. Aïe. Ok, c'est bon. C'est tout bon. Pfiou. Quelque chose me dit que ça va pas être facile. Ok, c'est quoi ça? Ok, on peut fumer maintenant. Un long voyage commence toujours par un premier. Mon premier pas sur London Bridge pourrait être le dernier. Alice la Trouillarde, c'est ce que tu veux voir écrit sur ta tombe? Quelle tombe de... Je peux pas mourir, oh. Je ne compte pas mourir. Ça me gratte le nez. Quoi? Pardon? Si, c'est ça. Voilà, hop, ça dégage. Ça dégage. La prochaine amélioration d'armes, c'est quoi? Ouais, ok. On n'y est pas encore. J'ai un truc sur la lèvre qui m'embête.
Ce rebord vaporeux ne sera aussi fragile et impalpable que ta confiance. Il t'aidera, crois-moi. Par où aller? Par la salle, m'a l'air annexe. Tac. Tac. Une petite bouteille. Oh shit. C'est quoi cet endroit? What the fuck, mon dieu, c'est un bordel. Petit lac du jeu. Ah, 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 la dernière arme. Qui est une arme également que j'aime beaucoup. La théière canon. Comment ça marche? Ah voilà. Qu'on peut tout de suite améliorer la théière canon? Non, c'est 525. Aïe, pas franchement. Pour moi, c'est une meilleure arme, la théière canon. N'approche pas, s'il te plaît. Tu m'as approché, tu m'as même gobé. Ok, ça va. Voilà. Vive la théière canon. J'adore la théière canon. N'oubliez pas les dents, oui. Mais on peut rien faire. Pour le moment, du moins. Pour le moment, on peut rien faire de nos dons. Enfin, à moins que c'est... Non. Je veux dire, à moins que c'est... Ça y est, terrible. Donc, on a officiellement... Enfin, du moins, on a toutes les armes que je connais du jeu. Pas du tout s'il y en a d'autres.
Ok. Tac. Ok, donc là-bas, on a de quoi fumer. On va fumer. Si je vous rappelle que c'est pas bien de fumer. Quel désastre! Qu'est-il advenu de ma belle famille? Le temps passe et les choses changent, souvent pour le pire. Tac. Aucune famille n'est à l'abri d'une telle catastrophe, Miss Lidl. Bien sûr, le malheur d'une famille pourrait bien faire le bonheur d'une autre, ou de la seule membre qui aurait survécu, si vous comprenez. Comment ça, le bonheur? On n'est pas heureux, quoi. En tout cas, on n'a pas l'air. Ouh! Ok, je suis tombé. Calme, oui. Salut toi, ça va? Allez, casse-toi. Casse-toi. Comment est-ce qu'on va là-bas? Ça. Tac, là il m'a entré. Oh. Ok. Bon. Oh, oh, oh. Allez, on se concentre et ça passe. Du premier coup. One shot. Énigme. Ah, te voilà. Nous accueillons son fantôme au coucher du soleil. Sans regretter son départ au lever du jour, qu'est-ce donc? Les rêves.
Excellent. Ça va, les énigmes, c'est pas compliqué à chaque fois. Ok, on peut partir d'ici. On a tout vu. Du coup, ok, bon bah là c'est bon aussi. Bon, avançons. Alors ? Raté, c'est pas grave. Il y a vraiment rien là-dedans. Tristesse et désespoir. On va nous foirer. Bande de fourbes. Ouais, mais attendez, j'arrive pas à la voir. Pourquoi? Non, mon import. Ok, c'est juste moi. C'est juste moi. Mince. Voilà, allez hop, ça dégage. Le bouclier, ça résiste pas au cheval bâton. Ton bouclier ne résiste pas à mon cheval bâton. Aïe, aïe. Monte ta tête, monte ta tête. T'es mort. Toi là devant. Voilà. Voilà.
calme, oui. Alors, on augmente l'ATR canon. Parfait. C'est que je regarde pas assez, mais... Oh non. Il n'y a pas de chemin caché. Oh, 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 oh. Oh, le fameux train. Enfin, ça fait penser au train de moi. Pourquoi vouloir que je monte là? Pourquoi vouloir que je vienne là à tout prix? Je ne sais pas. Je m'excuse pas. Bon là ça charge, mais pour les quelques lags qu'il y a. Ok. Ok. Quoi? Voilà. Je vais aller là. Oh, raté. Salut. Oh, les dents. Non, les petites dents. Comment est-ce que j'ai ça? Je ne sais pas. Merci. Non. Salut. Salut. Je crois que j'ai oublié une dent, tant pis. Quoi? J'ai pas des plateformes. Alors, du coup, récupérer la dent. C'était voulu. En fait, il te fait exprès pour récupérer cette dent. Voilà. Purée, mais non, le joystick qui reste bloqué. Ah! Je suis trop loin. Ok, ça c'est fait.
Tac. Et où? Hop, on va récupérer le souvenir. Ok, je pouvais pas être plus haut. J'ai fumé une cigarette, Alice. C'est dégoûtant. Un jour, j'essaierai la vie. D'accord. Je suis à quel âge? Juste pour savoir. Mais écoutez, c'est bien ce qu'elle dit. La pipe. La cigarette, c'est pas propre. C'est pas bon. Ne fumez pas. Ouais, mais attendez. Attendez, moi je suis pas encore dans le jeu. Mais pas toi, je m'en fous de toi. Tu me saoules. Franchement, tu me saoules. C'est pas toi que je veux battre. Tu m'énerves. Ok, je vais m'occuper de toi, j'ai compris. Maintenant, il n'y a plus que toi. Vas-y, monte tes têtes. Alors, on a plus envie. Non. Calme-toi. Attendez, parce que j'ai lui là. J'arrive. Casse-toi. Juste casse-toi. Oh shit. Bon, j'ai très mal joué, certes. Qu'est-ce que je suis censé faire par contre ici, moi? Comment avoir le prochain? Parce que
que là, on est... Putain, c'est même sûr, ça passe pas. Bon bah tant pis, je sais pas. Pour le coup, je ne sais pas. Bon bref, on va avancer. Tu n'es pas le centre du monde, Alice. Regarde les ravages autour de toi. Essaie de comprendre. Ensuite, viens avec moi. Tac. Oh oh. La peau humaine brûlée par le feu ou la vapeur n'est guère appétissante, pas plus que celle d'un ranimou. D'accord. Tac. Avec ça? Que quelques mobs? Ok. Bon, l'épisode est un peu long. Ouais, vous savez quoi d'ailleurs? On va s'arrêter là. J'ai rien demandé. On va s'arrêter là, j'espère en tout cas franchement sincèrement les amis que cet épisode vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un petit like, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche pour être tenu informé par notification dès qu'une vidéo sort. Vous pouvez également partager la chaîne et la vidéo à vos amis pour que ceux-ci puissent me découvrir et pourquoi pas s'abonner si mon travail leur plaît. Voilà, c'est pas obligatoire, mais si vous le faites, je vous en remercie. Merci à tous, rendez-vous très bientôt pour la suite de notre aventure sur Alice. Madness Return ou Alice retour au pays de la folie. Merci à tous, c'était Para. Bye tout le monde. Ciao ciao ciao. Bye.